Bonjour, lors d'une précédente vidéo, je vous avais fait un test d'Arcanoid adapté sur Thomson, tous les Thomson, et j'avais pesté dessus parce que le jeu était injouable. Et là, je montre une version qui a été recompilée, qui a été améliorée par un éminent développeur Thomson qui s'appelle Laurent Iriard dans les années 90, avec une compile. C'est la compil numéro 2 donc, et donc on a une version Arcanoid qui est améliorée avec des bonus, enfin des options qui permettent de pouvoir avancer dans le jeu. Alors, donc en fait c'est la deuxième compilation de Laurent Iriard, il en a fait 6, et là on va prendre la 6, et ce qu'il y a c'est qu'ici en fait on a une warp zone dans laquelle on peut mettre des paramètres. Là on tape sur W. Et là, tableau de départ, on va dire 0, 0, parce que ça correspond au 0, au 1. Nombre de balles, alors je vais dire 5. 5. Alors je vais dire... alors est-ce que ça marche là? 0, 0, on va mettre 0, 5. On va mettre 0, 5. Voilà, je vais 1. Et on va essayer de voir les trucs. Alors il y a des améliorations. Alors, je mets en pause. Les améliorations, vous verrez au niveau du son. Laurent Ria, en plus de apporter des options, il a apporté des améliorations au niveau du son. Alors, hop, on démarre. Hop. Oui. Vous voyez, par exemple, là, il y a le petit tuck. Le petit tuck qu'on entend quand ça touche. Ah. Quand ça touche une brique. Tuck. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, on va passer les options. Ça, c'est ça qui est chiant dans Arkanoid, c'est que ça va. Alors là, ça va pas trop vite encore, mais il y a d'autres niveaux où ça va vraiment trop vite et. Et en plus, les bonus, ils répercutent sur la balle. Déjà le niveau 1 il est même pas simple. Alors, le niveau 2 j'en parle même pas. Heureusement qu'il y a cette adaptation, enfin cette amélioration de Laurent Rivière qui permet d'avoir 256 balles, 255 pardon. Donc voilà, ça c'est le niveau 1. Je montrerai le niveau 2. Non, j'ai même pas pouvoir lui montrer niveau 2 pour l'instant. Si, je vais pouvoir. Voilà. Le niveau 2 qui est hyper difficile. Si je m'en sors là, ça sera vraiment du miracle. C'est la première fois que j'arrive à faire ça. Game over. On va essayer de faire le niveau 2. Un warp zone. Tableau de départ. Alors je mets 0,1 qui correspond au 2. Ah zut, je me suis trompé. 10. Alors c'est pas le 10 que je voulais. Nombre de balles. 0. Warp zone. Alors je refais warp zone. Tableau de départ c'est 0. 1. Nombre de balles, je vais mettre 10. Hop, comme ça, on va pouvoir avancer un peu. Et non, zut. Alors je vais mettre warp zone, je refais 0,1 et nombre de balles. Alors 0, 0, 10. Voilà, et là je fais 1. Donc on est en fait tableau 2. Ah mince, c'est là que je commençais. Donc là normalement je devrais pouvoir avoir des bonus. Alors, vous entendez là, le petit clic-clic là? On n'a pas ça dans la version originale. On n'a pas le petit clic sur les briques. Bon. On va
essayer de terminer ce niveau-là quand même, s'il serait pas lourd de pas y arriver. Ah bah oui. Le 2 sur fond bleu, ça donne l'accès au niveau suivant. Alors celui-là, il est hyper dur aussi. Si j'y arrive. Alors, c'est qu'au départ, la balle, elle va relativement lentement, mais elle s'accélère vite, alors c'est ça le problème. Ah bah, regardez. En plus, il y a les bonus qui s'en mêlent. Oh, voyons. Là, il y a un bug dans le logiciel, c'est que ça passe à travers les briques jaunes des fois. Alors, j'ai remarqué ça tout à l'heure. Je sais pas si dans les autres versions ça fait ça, mais en tout cas, la version Thompson, il y a un bug là. Hop. Zut, il ne reste plus qu'une vie là. Bon. Ok. Donc vous avez vu à quoi ça ressemble le niveau 3. Hein. Bon, game over. Alors, on va refaire la warp zone à nouveau. Là on va en niveau, on va tableau 3, nombre de balles je vais mettre 10, pareil. Donc là je tape 1 joueur. Donc là on va être au round 4. Ça va être le suivant. Je vous fais juste voir à quoi ça ressemble chaque niveau. Voilà. Donc voilà, le niveau 4, le niveau 5. Alors ça ressemble à un personnage de. Alors je sais pas si c'est pas Space Invader. Celui-là il est difficile aussi hein. Il est très très difficile celui-là. Enfin, faut casser les briques là déjà. Et puis ça va hyper vite. Vous avez vu la vitesse de la balle? Eh, sans les bonus de Laurent Iriard, allez sur la version Thompson, au mieux on fait 4 niveaux et puis on perd à chaque fois. Même les meilleurs pilotes de Formule 1, ils n'arriveraient pas à faire ça quoi. Enfin, c'est un truc de malade la vitesse. J'arrive même pas à suivre la balle. Bon, hop là. Ah bah oui. 6. Donc là j'étais au niveau 4, on va aller au niveau 5. Après. Oh, oh là là, regardez-moi ça, la vitesse là. C'est impossible, on peut pas suivre. En fait, ce qu'il faut, c'est la suivre la trajectoire horizontale de la balle. Je pense que c'est là qu'on s'en sort mieux, mais bon. Après c'est de l'aléatoire aussi, hein, parce que là, franchement. Ah, 6. Ah, les bruitages qu'il a ajouté Laurent Rière, je trouve que c'est vraiment sympa quoi. Ah, 5. Ah zut! On va faire ça, hop! Je sais pas si je réussirai à passer ce niveau, hop! S c'est pour slow, c'est pour rendre la balle plus lente. Ah bah non, bah même quand c'est plus long, j'arrive même pas à la rattraper, alors ça c'est fou! Hein. Voilà, bon, hop! Donc ça c'est le round de 4. Round de 5. Non, round 5 plutôt. Donc ça veut dire le prochain c'est 6, il faudra que je mette 5 sur le truc. Bouf.
Ah bah vous avez vu, ça va passer au travers des briques? En fait, il y a un problème, il y a un bug là. Donc, Warp Zone, tableau de départ, on était au 6, donc on va taper 0. Alors, c'est quoi, c'est 0? 5? Au 5. Nombre de balles, on va mettre 10. 10. Ah, je l'ai trompé. Warp Zone, c'est 0,6 plutôt. 0,5 et on va mettre 0,10. Voilà, et on tape 1 là. Route 6. Voilà. Je me suis pas trompé. Il paraît facile celui-là, plus facile que le précédent, mais vous pouvez vous tromper, hein. C'est pas forcément le cas. Ouais, c'est bon, je vais pouvoir aller passer au niveau suivant. Donc là le septième tableau. Ah, celui-là a l'air d'être bien. Enfin, il a l'air d'être assez facile. Bah voilà. Il suffit que je dis ça pour que ça ce soit pas le cas. C'est le 7. Donc c'est ça qui vaut 6. Alors là c'est sympa. Regardez, écoutez le son du truc là. Ouf. Vous avez entendu le son du laser? On n'a pas ça dans la version originale. Ah mince! Donc ça c'est route de 7, donc il faudra que je mette 7 au prochain coup. Hop. Ah zut! De toute façon, je pense que c'est mieux de démarrer par là. Hop. Si je fais ça. Ah mince! Bon attends! Quoi ce délire là? Oh flûte! Quatre vies, hop. Donc ça c'était le 7. Ah zut! J'avais la brique pour aller où... J'avais le bonus pour aller au niveau suivant. Flûte! Deux balles. Il me reste deux balles. Là, c'est le bonus qui colle normalement. Hop, voilà. Si je m'occupe de ça comme ça, normalement, je devrais pouvoir m'en tirer. Ah, oh, putain, c'est pas vrai. Ah, oh, putain. Ça va trop vite. Bon sang, il y aurait le jeu à souris, ce serait peut-être mieux que ça. Game over. Warp Zone. Donc, tableau de départ. Alors, 0, 7. Nombre de balles, 10. 1. Donc, on va tabler au tableau 8, voilà. On va être au tableau 8, là. Ah, alors là, celui-là, il est pas facile non plus. Hein. Il n'y a pas beaucoup de briques à éliminer, mais... Ah super, j'ai le bonus par le tableau suivant. Voilà. Donc ça c'est le 9. Ah, celui-là c'est un niveau qu'on retrouve dans Breaker. Breaker sur Thompson de Free Game Blood. Donc a priori ça devrait aller. Hein. Il n'est pas parmi les plus compliqués. Oh là là. Ouais, allez hop. Neuf. Voilà, pof. Ah zut, j'avais la brique, le bonus pour un niveau suivant. Ça accélère d'un coup et puis hop, ça y est, on est foutu là.
Oh là là. Donc le but de cette vidéo, c'est d'essayer de vous faire voir tous les niveaux de Arkanoid. Bon. Je vais même pas arriver à finir celui-là. Parce que de toute façon, même avec les bonus infinis, c'est même pas possible. Ah bah oui. Bon. Ah. Bon, game over. Donc, on est 0-9 là, warp zone. Donc, ouais, t'as 0-9. Nombre de balles, 10. On va mettre 5. Hein. Ah, je me suis trompé. Hop, 50. Warp zone, on va mettre 5, donc 0,9. Voilà. 1, hop. Non, c'est ça, c'est 1. Là, on va niveau 10. On va voir ce que ça donne. Ah, oui, c'est celui-là. Il est pas mieux celui-là. Oh là là. Celui-là, c'est encore plus difficile que le 2. Sans déconner. Ouais, le but c'est de faire entrer par le haut là, puis voilà. Bon, bah, de toute façon, je vais pas y arriver. Voilà, on va faire le 11 là, warp zone, tableau de départ. Alors, 11, 10, pardon, nombre de balles, alors 0, 0, 5. On va faire 1, hop. Celui-là, il est dur hein, déjà. On a une balle qui est hyper rapide. En fait, ce qu'il faut, c'est suivre la trajectoire horizontale de la balle avec la raquette. Sinon, ah putain. Enfin, je trouve ça vachement sympa les bruitages là. Ça apporte un vrai plus sur la version Thompson, malheureusement qui est trop rapide. Je pense que c'est la plus injouable des versions sur Thompson, enfin sur Arkanoid, c'est la version Thompson. Bah oui, voilà. Donc là on était à la version 10. On va faire warp zone, donc là on va faire le 11 et là 0 5, on va faire 1, donc ça c'est le 12. Ouais, le 12 c'est comme la 10 hein, c'est quasiment injouable. La 10, 11, 12 c'est tableaux qui sont quasiment injouables. Et en plus là, il y a un énorme bug, vous allez voir, il y a un énorme bug à ce niveau-là. Enfin, on le voit pas trop, mais en fait... Ouais, là, je vais pas le voir. En fait, il y a un bug à ce niveau-là, c'est que quand on essaie d'atteindre la brique en jaune qui apparaît à droite, là, et ben en fait... ça marche jamais. Et la balle, elle ira. Allez, hop là. Vous voyez ce qui se passe là, c'est que ça passe à travers les briques qui sont censées être. Bon. C'est quelque chose qui est bizarre.
Merde. 12. Voilà. Donc là, on a fait le 12. Alors, je vais taper Warp Zone. Tableau de départ, 12. Nombre de balles, 0, 0, 5. On va faire le 13, là. Parce que ça donne... Ça a l'air un peu plus, ça a l'air un peu plus facile. Mais regardez la vitesse de la balle, déjà. Ouf. C'est ça qui est problématique avec Arcanoid, c'est que ça va trop vite. Une fois que ça touche un ennemi, hop là, on est, on peut plus jouer. Oh là là. C'est impossible à jouer. Si je vais avoir là, 13. 14. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah zut, j'étais bien parti là. Ah mince, hein. Aïe aïe aïe. Dernière. Ah bah voilà, game over. Je vais refaire la 14 quand même là. Mm-hmm. 14, 13, 13. Nombre de balles. Alors je vais mettre 007. Là. Ouais, celui-là il a l'air un peu. Il a l'air vraiment difficile aussi. Hein. Franchement. Ah oui, mais elles sont cassables, les briques grises. C'est vrai que les briques grises, elles sont cassables. Voilà, hop. Les briques grises sont cassables. Ok, on va essayer d'avancer un peu, là. Hop, là. Ah bah c'est bon, j'ai arrivé au niveau 6. Cool, niveau 15. Là, je trouve que les briques en sion là, c'est plus beau, c'est vraiment super. Et par contre, le niveau, il est pas, c'est pas pour ça qu'il est plus facile. Ah zut. Ah oui, ok. De toute façon, là, je pense pas que je passerai au niveau suivant. Hein. Et voilà. Les dés, le dé en vert. Ouais, super. Niveau 16. Alors, j'ai jamais fait celui encore pour l'instant. Ah bah oui, d'accord. Ah purée. Le bonus, attends, je vais aller par là, c'est peut-être plus simple. Non, c'est pas vrai. Je vais refaire le 16, là. Allez, W. 16. Alors, 0, 5. 5. Ah, purée. Voilà, hop. Ah zut, je me fais avoir comme un débutant, c'est pas possible. De toute façon, je suis un débutant. Arcanoid, faut même Jacques Villeneuve y arriverait pas. Hein. Franchement, oh mince, qu'est-ce que j'ai fait là? Aïe 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 aïe. Ouais, je suis la balle quand même. Ah, oh, pareil. Donc là, c'était le niveau 16, hein, ça. W. On va faire le 17. Alors, 10, 16. Je crois que c'était 16. 0, 1, 0. Je vais mettre ça. Hop, mettre 10 balles. 17. Ah, bah non, c'est celui que je viens de faire, en fait. C'est bon. J'étais au niveau 18, là, en fait. D'accord. Non, j'étais au niveau 17, d'accord. Oh là là, purée.
Impossible. Oh là là. C'est bon. 18. Donc là, si je viens, ça va faire quoi? Oh là là, purée. 18. Si je vais là, là, ça va faire quoi? Hop. Oh la mince. 18. Ah oui, d'accord. En fait, là... Ah mince. Ah les briques, d'accord, les briques jaunes, elles sont cassables, d'accord. Les briques jaunes sur les côtés latéraux. C'est pas la même couleur, oui, effectivement, elles sont cassables, celles-là. Hop. Oh là là. 18. Allez par là, hop. Ah mince, c'est le dernier. Ah c'est bon. Ah game over. Ah mince. C'était au niveau 18. On fait le 19. Non 18, c'est 18. Attends, je crois que c'est 18. Hein. 0, 0, 5. 19. C'est un autre. Ouais. J'avais peur que c'était le même. Mais... Ah oui, d'accord. Celui-là, il va encore pas être simple. C'est encore un niveau qui est pas simple, ça, purée. Ah là là, purée. C'est pas vrai, bon sang. Ah, puis en plus, je me plante, là. 19. Ah, purée. Oh là là, mais c'est pas vrai. Donc là, c'est le 19. Bon, game over. On va faire le 19. Enfin, le 20 plutôt. 0. W. 1. C'est quoi encore ça? Oh la vache. Ok. Alors maintenant, à partir de maintenant, je vais mettre 255 vies. Alors j'étais au 19 là. Je vais mettre 255 balles. Et on va faire le jeu en continu. Donc a priori, on a un nombre de balles illimité, mais en fait, c'est pas si limité que ça. Et ah la vache. Alors oui, 14, mais en fait, c'est un I14. C'est pas. Là-dessus. Voilà. 21. C'est sympa le son qu'il y a sur le laser. Il n'y a pas ça dans la version originale. Ah zut. Ah mince, j'avais le truc pour aller au niveau suivant. Bon allez, c'est pas grave, on va essayer d'y arriver là, comme ça. Ah purée, ils apparaissent là où il faut pas. Voilà, c'est bon. Oui, là, celui-là, ça devrait se terminer tout seul. Et les niveaux sont vraiment pas faciles, hein. Franchement. En plus, c'est trop rapide, Arcanoïde. 21.
C'est trop rapide. C'est injouable hein, en condition normale. Sans bonus. Sans paramétrage de départ. Enfin. C'est injouable. Hein. Donc là on est au niveau 22. Donc là on a I 2 balles. En fait j'ai l'impression que ça fait plus de 255 mais bon. I 1 balle. Donc vous vous dites 255 balles ça suffit pour faire le niveau. Eh ben non figurez-vous. Ça suffit pas. Alors là, je vais aller par là. Hop. Putain, ça me dit quelque chose, ça. On le retrouve dans Krakout, ce niveau-là. Je crois qu'on le retrouve dans Krakout, hein. Disons, c'est pas la première fois que j'arrive à maintenir le truc là. À renvoyer la raquette sans perdre la balle. À sa vitesse là surtout. Ah! C'est trop beau, je me disais, hop. Zut. Ah mince! Ah flûte! J'ai cru que ça allait être dévié par le bidule là. Purée. Ah mince! Bon, normalement je devrais y arriver assez facilement, enfin je pense. Ah zut! Voilà, c'est bon, 24. Niveau 24, tiens, alors, allez par là. Voilà, bon, de toute façon, j'ai ouvert une brèche, là, c'est bon. Ça va être bon, normalement, si je dis pas de bêtises. Voilà, celui-là, il doit être relativement facile, bah en plus, ouais, ok. On va laisser tourner un peu pour voir ce que ça donne. Voilà, juste attends. Hein. Niveau 25, alors là, on a des trucs comme ça. Les grises, elles sont. Il faut 4 coups pour les grises pour les détruire. Par contre, les jaunes avec un liseré blanc autour, c'est, elles sont incassables. Ah, je commence à maîtriser. Vous rendez compte? Enfin, là, ça va un peu moins vite quand même. Hein. Arriver au niveau 25 pour avoir des niveaux moins difficiles. Ah, zut. On va faire ça. Hop. Voilà, hop. Ah zut. Ouais, hop. Bon, c'est bien si c'est au sommet comme ça, là, c'est cool. Ah là là. Oh là là. Bah voilà, j'ai perdu. You. Un demi. Don't you aussi. Ah zut. Ouais, on va faire comme ça, hop. Il y a encore un bug là. Enfin normalement ça devrait pas passer à travers les murs bidule chouette là. Faut que je mette ça voir par le truc.
Et aussi bon, 26. Je sais pas combien il y a de niveaux en fait. J'ai entendu dire qu'il y en avait 32, mais je suis pas sûr. Enfin. Enfin, Krakout, déjà, il y en a au moins 50. Ah, zut! Ah, flûte! Flûte! M'embête! Ah, bon. Iiiiih! C'est énervant ce jeu, sans déconner. Heureusement que j'ai le nombre de vies infinies, hein, parce que sinon, hop! Eh ben big, j'ai encore perdu une vie là, hop. Eh ben voilà. Oh là là, 26. Oh là là là, bon. Ah, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Hein. Ah, Samuel qui disait que... Non, ça marche pas. Samuel qui disait que... Comment ça s'appelle? Super Break Out, c'était trop rapide par moment. Bah là, quand il va voir Canoïde, il va halluciner. Parce que autant Super Breakout c'est faisable avec le nombre de vies qu'on a parce qu'on a une vie supplémentaire par tableau réussi. Autant Arkanoid c'est impossible si on n'a pas les bonus quoi. Enfin si on n'a pas les options de départ. Hein. Voilà. 27. Ça, je sens mieux celui-là, il a l'air un peu plus simple. Jusqu'à envoyer. Ah, flûte. Je me suis laissé abuser. Ah, flûte. Ah, bah dis donc, ça défile les villes, hein. Ça cause des bonus et quoi là? Ah la vache. Faut que je sois hyper prudent. Je commence à... Ah mince, je croyais que j'étais dessus là. Ah bah oui. Non, là je suis pas bon, hein. Franchement. Aïe aïe. Ah purée. Bon. On va essayer de faire une percée là. Si je peux faire une percée dans le coin là. Voilà, je passe au niveau suivant. C'est cool. Voilà, niveau 28. Bon, il a l'air facile celui-là. Enfin, il a l'air. Ah non. Ah non, effectivement, c'est des briques jaunes. Alors, comment on fait là? Ah non, il est pas si facile que ça. Ouais, en fait, d'accord, faut contourner tout le truc. Ou alors, faut passer par le centre. C'est ça? Faut passer par le centre ou contourner le truc, oui.
Ah, flûte. J'essaie de viser le centre là. Ok, on va essayer de viser le centre. Ah, même pas. Ouais. Là, si je mettais là, ça va être bon. Non, même pas. Ah, la vache. Ce qu'il y a, c'est que la position de départ de la balle, on sait jamais quel angle ça va faire. C'est galère. Hein. Bon, allez. Et hop. Est-ce que ça va être bon là? Ah, c'est bon. Pourquoi ça marche pas là? Ah zut. Il est aussi bon. Voilà. 29. 29. Ouh là là. Ah flûte. Je voulais passer par le centre, mais c'est pas possible. Ah, flûte! Ah, j'avais 3 balles, j'en ai pas eu une seule. Ah là, putain, c'est pas incroyable. Ouais, vas-y, mais va pas au centre, va plutôt sur un des côtés, là, Bruno, hop. Ça sert à rien d'aller au centre, de toute façon. Ah, mince! Ah, c'est pas possible, arg. Aïe aïe aïe. Ah là. D5, il me reste encore D5 balles là, vas-y, hop. Oh purée. Oh là là. D3 balles, il me reste encore D3 balles, je sais pas comment que ça donne en binaire. C'est un peu divinaire parce qu'on a commencé à vivre. Oh là là. Bon. Ça me dit quelque chose ce niveau là. Ça me dit quelque chose. On l'a pas déjà rencontré ce niveau là. Je crois que j'ai déjà fait ce niveau là. Sur le mouvement de la balle. Ah mais... Oh là là, purée. Ah purée. Comprenez maintenant pourquoi je dis Arkanoid, c'est un jeu qui est impossible à jouer.
Ah zut! Ah là là, purée! Je suis pas grossier hein, parce que là. Ah purée, ça va trop vite. Vas-y, voilà, hop. Ah, les ennemis ils accélèrent à balle, c'est ça qui est un peu balère, ce qui est un peu galère. Il me reste plus que à 9 balles. Rendez compte un peu. À 8, c'est pas beaucoup. Mais c'est pas vrai! Putain, mais c'est pas vrai ça! Oh la vache! À 6, je vais même pas réussir à terminer ce niveau là, tu vois. Si j'allais plutôt par là, ce serait pas mal, non? Ah purée. Si j'allais plutôt par là, ouais, ce serait pas mal. Non, mince, je pensais qu'il était plus penché que ça. L'angle était plus balèze. Bon, vas-y, hop. Ah purée. Round 31. Non, il reste plus de 4 vies, hein, vous inquiétez pas, c'est parce que en fait. Ah, là c'est pas mal, là, je pense que je vais avoir. Je vais plutôt me occuper ça. Là ou quoi? Si j'en ai encore. Ça marche pas. Ah mais le bouton de tir il a du mal avec sur l'émulateur là il a du mal le bouton de tir quand. Sur le clavier PC là. Ah là là, bon sang,
J'étais presque. Donc en fait, pour y arriver dans un casse-brique, il faut essayer de suivre la balle en largeur. Mais là, comme on le voit, c'est pas forcément évident tellement ça va vite des fois. Enfin, surtout avec Arkanoïde, c'est. Ah bah, allez, vous avez vu la vitesse? J'ai même pas eu le temps de réagir. Ah, puis là, il y a ça en plus. Bon, heureusement qu'il me reste encore un paquet de vie. Oh là là, round 31. Eh mince! Et je vous assure qu'au niveau casse-brique, je suis plutôt pas mauvais normalement. Krakout et Breaker, je suis pas mauvais. Mais là, Arkanoid, c'est impossible quoi. J'avais le dé pour aller au niveau suivant, bah c'est foutu. Hop. Ah bah oui. Ah bah c'est pas vrai. Oh là là, purée. Il y a vraiment de quoi s'énerver, hein, franchement, je vous assure. Bah, c'est fini normalement là. Bah, pourquoi il y a pas de. Pourquoi ça s'arrête là? Y a pas de niveau 32? Ça c'est bizarre. 31, c'est 31. Je vais rebooter l'ordinateur, voir s'il y a un 31, s'il y a un 32. Démarrage à froid. C'est bizarre ça. 6. Peut-être que ça s'arrête au niveau 31. Hein. Warp zone. Hop. Alors, tableau de départ, on va mettre 31. On va voir s'il y a un niveau 32. Nombre de balles, on va mettre 255 comme tout à l'heure. Hop. Est-ce qu'il y a un niveau 31 déjà? 32. Ouais, il y en a un. Bah, pourquoi au 31 ça marchait pas? C'est bizarre ça. On l'a pas déjà fait ça? 33, non, bon. Ah ouais, d'accord. D'accord. On a un monstre de fin de niveau là, on dirait. Ah bah ça, c'est marrant ça. Le monstre, il ressemble à quoi? Ça me rappelle. On dirait le totem qu'il y a dans la nuit au musée. Le totem de l'île de Pâques. Avec des bandages. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça c'est amusant ça, en fait. Ah bah oui. D'accord. Donc il y a bien 32, il y a bien 32 runes et plus le monstre de fin de niveau. D'accord.
Et voilà. En fait, il y a bien 32 niveaux dans Arkanoid avec un monstre de fin de niveau à la fin. Voilà, donc je vous ai présenté Arkanoid version avec 200, avec une version de vie infinie. Ce qu'on voit, c'est que le niveau 2 et le niveau 10 à 12 sont très difficiles. Voilà, bon, à bientôt pour une prochaine vidéo.